Bonsoir tout le monde, bienvenue à la Cinémathèque Suisse, en compagnie de deux invités d'honneur. Alors, ces jours, en fait, sont entièrement consacrés au travail d'un artiste, acteur, photographe et metteur en scène, réalisateur, qui vient d'ici. Et ça me fait plaisir de souligner à chaque fois cet aspect, parce que souvent, ici à la Cinémathèque, on consacre des rétrospectives, des hommages à des personnages du cinéma qui ont d'ailleurs habité aussi ici, sur la Romanie, comme Chaplin, Audrey Hepburn, Peter Ustinov. Mais ça nous fait plaisir aussi de temps en temps de pouvoir présenter quelqu'un qui est né ici, qui est d'ici, et puis qui a quand même, malgré son jeune âge, pour dire, par rapport aux autres dont je viens de parler, il a une très belle carrière. Et donc voilà, ça nous semblait vraiment intéressant de pouvoir construire une programmation autour du travail de Vincent Pérez à l'occasion de la sortie de son nouveau film qu'on va présenter en avant-première demain soir au Capitole. Donc vous êtes bien évidemment les bienvenus, on vous invite à venir voir le film. Et en fait, cette programmation, on l'a réalisée vraiment avec la collaboration de Vincent pour montrer la diversité en fait de sa carrière, de son parcours dans le cinéma. Jeune acteur dans des belles productions européennes, ou quand même des grandes productions, ou même hollywoodiennes, et puis aussi des rôles plus pointus, plus intimistes dans un cinéma, je dirais, plus indépendant. Et c'est la raison pour laquelle il tenait beaucoup aussi à inviter Denis Dercourt, qui est ici avec nous ce soir. Merci d'être là aussi, Denis, pour présenter le film que vous allez voir dans quelques instants. Et comme, en fait, Vincent est l'invité d'honneur, et puis on lui a véritablement ouvert les portes de la Cinémathèque, je lui passe le micro parce que c'est à lui d'introduire son invité. Et bienvenue quand même. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous allez voir un très beau film, Demain dès l'aube, réalisé par Denis Dercourt, qui est un réalisateur que j'aime énormément. Vous verrez que c'est un cinéma très rigoureux, qui est très tenu. C'est de l'orfèvrerie, c'est très musical. Parce que Denis est musicien, enseigne aussi la musique à l'école au conservatoire de Strasbourg. Il vit à Berlin, donc il est venu de Berlin pour présenter le film aujourd'hui. Voilà, donc pour moi, Denis est un des grands metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. J'adore son travail. Son dernier film, En équilibre, est sorti il y a maintenant 2-3 ans, c'est ça? 2 ans, non? Ah non, peut-être moins. Ah non? Avec Cécile de France. Nous avons fait ce film, Demain dès l'aube. Le film, peut-être que vous avez vu La tourneuse de page. Est-ce que vous avez vu La tourneuse de page? Voilà. Ça, c'est vraiment ça, il représente bien l'univers de Denis. Donc, depuis, Denis est devenu un ami. C'est la personne avec qui j'échange dans les moments de doute, dans les moments de réussite, dans les moments de toutes les questions qu'on se pose. Il y a peu de personnes que je peux appeler quand j'écris un scénario ou quand je ou des périodes difficiles ou des périodes... On a des doutes, hein, on est sans cesse traversé par des doutes, parce que on fait des métiers qui peuvent être très difficiles, parfois. Et donc, du coup, on se soutient. Nous sommes camarades de tranchée. Voilà, camarades de tranchée, exactement. Donc, je te laisse parler de Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, ce que tu veux. Ce que je veux dire, c'est que c'est avant tout notre rencontre, c'est-à-dire que... Les films, bon, je sais pas, j'en ai fait 10, et ça laisse moins de souvenirs que ce que je croyais quand j'ai commencé le cinéma. Peut-être de temps en temps, même moins de souvenirs que les concerts, en fait.
J'ai eu la chance de faire des concerts un peu marquants et qui me marquent plus que les tournages, en fait. Mais ce tournage a été très particulier parce que, à cause de cette rencontre, et qu'on est devenu tellement proches, en fait, j'avais la chance, de, quand je t'ai approché, que tu avais fait une cure pendant 2 ans, tu n'avais pas voulu jouer. Tu avais dit non, non, je... Et donc, ça, c'est une très, très grande chance pour un réalisateur parce que il y a comme ça... Bon, c'est super de passer après d'autres mains, mais bon, tu as travaillé en tant qu'acteur avec des très, très, très grands réalisateurs. Et donc ça, en tant que réalisateur, ça se sent. On sent que les très grands noms avec qui tu as travaillé. Mais pendant 2 ans, tu avais décidé de ne pas jouer. Et du coup, tu avais dit, écoute, fais un peu ce que tu veux. Et on a travaillé ensemble le rôle, on l'a travaillé de manière très précise. Je pense vraiment que tu es... je ne sais pas si tu es un acteur suisse, parce que je pense que tu es le seul acteur suisse avec lequel j'ai bossé, mais tu es un acteur francophone non français. Et donc, c'est un compliment dans ma bouche. J'ai souvent travaillé avec des acteurs belges. Donc, voilà, il y a Cécile, il y a Jérémy Régnier, qui est belge. C'est un casting francophone non français, ah, principal. Ouais. Et donc, il y a notamment des qualités, évidemment, de sérieux, de précision, de non-esbrouf. Je ne sais pas si c'est tous les acteurs suisses, mais pour moi, tu représentes ça, en plus d'être un très grand acteur. Hein, et donc, c'était génial. Le fait, le plus, c'est que je savais, j'avais déjà vu tes films, je les aimais beaucoup, et le fait que tu sois réalisateur n'était pas du tout à moi. Au contraire, on pouvait parler d'égal à égal. Ça aide énormément. Je ne connaissais pas ton travail de photo, en fait. J'ai appris à le connaître après. Mais ça a été très utile. Voilà, le film, il est un peu étrange quand même, hein, on peut le dire, hein, il est un peu, voilà. Voilà. Mais ça existe. Ça existe. Par contre, ça existe. Ah, voilà, alors oui. Alors, ce que vous allez voir, c'est spécial, parce que ça se passe dans le milieu, oui, il faut expliquer un peu. Parce que moi, ça existe. Hein. Oui, ça existe, c'est-à-dire, vous allez voir le milieu des reconstitueurs. Les reconstitueurs, c'est les gens qui reconstituent des batailles de Napoléon ou des batailles... Il y a des reconstitueurs vikings, il y en a qui refont la guerre d'Irak, il y en a qui font... Aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, c'est... Voilà, très, très... Ils font un pour un, ils font la bataille de Pittsburgh avec le nombre de soldats tels qu'il y avait. Ouais, ouais. Mais l'équipe, j'avais emmené mon équipe parce que je connaissais très bien ça faisait longtemps que j'avais ce film en tête, très longtemps. C'était un film un peu cher, un peu compliqué à faire, donc entre-temps j'en ai fait plusieurs, dont effectivement La Tourneuse de Page. Et puis comme La Tourneuse a eu pas mal de succès, ça a permis de faire celui-là. Mais j'avais suivi des reconstitueurs depuis longtemps avec toute ma famille, donc on était allés en bivouac... C'est assez... j'ai jamais mis la bille, par contre. J'ai jamais mis la bille. Mais c'est assez fort, parce que donc, c'est un milieu de gens qui le vendredi soir, switch, et puis mettent un... Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, qui mettent un habit. C'est historiquement extrêmement intéressant, parce que c'est des gens qui ont un souci de la reconstitution exacte. Les historiens viennent les voir. Ils animent aussi les cérémonies dans les monuments aux morts, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'anciens combattants des guerres. Mais au bouton de culotte, c'est authentique. Et donc, il y a une scène notamment, parce que oui, on a tourné avec des vrais reconstitueurs. Voilà. Et donc, tu peux raconter, tu te rappelles, il venait en compagnie sur le tournage. Ah oui, oui. Il marchait au pas. Voilà. Et donc, je pouvais pas diriger un personnage. Il fallait que je m'adresse à leur chef. « Colonel, pouvez-vous dire à votre homme du 4e rang d'aller sur la gauche ?» Et donc, il s'adressait de manière militaire. Le soir, il chantait des chansons de l'époque de Napoléon. La plupart viennent de Boulogne, où à Boulogne, il y a une très très grosse reconstitution. Et puis, donc, j'avais amené mon équipe à Waterloo. Chaque année, à Waterloo, il y a une reconstitution de la bataille. Ça peut faire très peur parce qu'ils tirent non pas à balles réelles mais à blanc, vraiment, hein, tu te rappelles, c'était ça. Ouais. Donc ce sont vraiment des... Et tu as raison de le dire parce qu'au début, quand on a montré le film, les gens pensaient que c'était une invention de ma part. Mais Et donc, et Denis a cette particularité, c'est peut-être le seul metteur en scène au monde qui entre
deux tournages, parce que ça met du temps à monter un film, avec le montage financier, il faut écrire un scénario, etc. Entre deux tournages de long métrage, tourne des films. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il fait des films tout seul. C'est-à-dire que quand on réalise un film, alors, il faut un producteur, il faut des acteurs, il faut trouver des millions, etc., etc. Et Denis, entre les films, tourne des films tout seul avec sa caméra. Avec des acteurs. Ouais. Alors oui, oui, c'est la plupart du temps c'est des acteurs, mais ça peut ne pas être des acteurs. Ils sont pas payés, enfin tout ça se fait. Et les films, ça sort quand même au cinéma, c'est du. C'est fou. Ça va dans des festivals, à New York, avec Chère de ma chair. C'est des longs métrages. Oui, c'est du long métrage. C'est incroyable. Ça n'aurait pas été possible avant. En fait, c'est vraiment. Les caméras d'aujourd'hui répondent vraiment à ce que Godard, puisqu'ici on est chez Godard, voulait, c'est-à-dire cette caméra qui soit tellement petite qu'on puisse l'amener partout et faire les films qu'on veut. C'est vraiment un truc de musicien, c'est-à-dire que quand on est musicien, on pratique l'instrument tout le temps. Donc j'en ai fait un au Japon, un en Allemagne, mais en français, La Chère de ma chair, j'en finis un, effectivement. C'est pour, voilà, pour pratiquer. Voilà. Autre chose ? Ils vont peut-être mieux parler avant qu'après, parce qu'après, peut-être que les gens ils vont tellement être contre nous que... Ouais, alors, ce que je vous propose, c'est, on vous laisse à la projection. De toute façon, Denis et Vincent sont par là, ils restent par là, donc on va quand même venir vers la fin de la projection, comme ça, s'ils ont des questions, vous pouvez discuter un peu. D'accord, en fait, on a dit tout ça parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas après, sinon on n'aurait pas dit avant. Je ne revenais pas complètement son planning, parce que... Moi, je pensais qu'on ne revenait pas. Mais on est là, quand même. On sera là. Donc voilà, je vous laisse... Pardon non, mais c'est mieux avant. C'est mieux avant. Je vous laisse à la projection, et puis... Merci. Comme ça, il n'y a pas de tomates. Voilà. Merci encore une fois d'être là pour nous. Voilà. Et puis bonne projection, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Ça raconte quoi? Vous êtes un excellent pianiste. Hein? Vous avez vu ça? C'est vraiment ses doigts, c'est lui qui joue. J'ai passé 6 mois. Ouais. J'ai jamais fait de piano de ma vie. 6 mois, tous les jours. Ouais. C'est des doigts. Ça faisait partie du... En fait, comme je fais souvent des films avec des musiciens, comme je suis moi-même musicien, avec des personnages musiciens, mais avec des acteurs qui jouent pas. Cécile de France, justement, dans En Équilibre, elle avait jamais joué non plus. Ah, ouais. Mais elle était beaucoup moins douée que toi. Toi, t'es super douée. T'as une très grande mémoire corporelle, donc c'était plus facile. Mais ça fait partie du... C'est une manière aussi de travailler le rôle. C'est-à-dire que Vincent, il devenait pianiste lui-même, donc... Il n'y a plus besoin de faire ensuite. Le travail du rôle est extrêmement facilité parce que tu prends en ayant tellement travaillé le piano, déjà avec le coach, avec le prof de piano, tu en avais deux d'ailleurs, tu vois comment finalement. Non, je pense que c'est bon. Non, pas de micro. Non, ouais, on a la voix forte, mais c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Hein, c'était la condition sine qua non en fait. Tu te rappelles? Il fallait que tu acceptes de faire ce travail-là. Étant donné que tu n'avais pas du tout le travail d'épée, de choses, comme tu es un très bon combattant, il fallait faire le pianiste. Oui, mais bon, tu me fais me battre comme un amateur, en fait. La difficulté, c'était de désapprendre, en fait, l'escrime. Moi, c'était mes premiers combats, en fait, à l'écran. Ouais. Et vous avez vu, c'est un filmage où, en fait, on ne triche pas trop. Donc c'est un filmage tout du long, donc c'est pas coupé, c'est pas découpé en fait. Et j'ai découvert à quel point c'était dangereux déjà, ça met une tension. Hein. Quand il y a un combat, c'était des combats très chorégraphiés, très travaillés. Et ensuite, le film sur les chevaux, j'ai découvert aussi à quel point travailler avec les chevaux, ça peut être dangereux aussi. Donc c'est à chaque fois des... On peut pas tricher en fait. On ne peut pas tricher quand on joue à un musicien. Franchement, on ne peut pas tricher. Ça se voit quand on triche. C'est-à-dire que si la caméra part sur le visage et on se met sur les mains,
voilà. Le principe, en fait, c'est que le premier plan, dans tous ces films-là, le premier plan, il faut que la caméra parte et aille sur les mains. Comme ça, on se dit, ouais, c'est lui qui joue. Voilà, exactement. On ne se pose plus la question. Si jamais on coupe, le spectateur... Il y a un truc derrière. Ouais. Et du coup, t'en savais mieux et plus, et donc on a rajouté des scènes. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Avec un prof de piano complètement fou, passé à la maison. Et puis donc, c'était aussi le jeu de rien montrer. Hein. C'était une manière de jouer qui vraiment, c'est l'univers de Denis. C'était, je trouve ça très intéressant. En fait, on ne donne rien à la caméra. Là, on laisse la caméra venir chercher ce que tu ressens. Tu n'imposes rien à la caméra. Hein. C'est-à-dire que tu ne montres rien véritablement. Moi, j'aime bien en tant que... En tant que spectateur, moi, j'aime bien... et c'est ce que... Dans le film que vous allez voir demain de Vincent, donc dans Seul dans Berlin, c'est aussi ce que tu fais. C'est-à-dire, j'aime bien, en tant que spectateur, faire du travail. En fait, j'aime bien travailler avec le film. J'aime bien que ce soit, qu'un film soit une coproduction entre le spectateur et l'écran, que ce ne soit pas donné comme ça. J'aime bien travailler. Et du coup, ça demande une direction d'acteur qui est un peu ce qu'on appelle poker face, c'est-à-dire que, et où c'est le spectateur qui va chercher, qui regarde beaucoup... Oui, moi, en fait, je fais en ce moment, je fais ce travail-là dans la photographie. Parce que je fais de la photographie et je fais des portraits. Et je demande, en fait, à mes sujets de rien montrer. Je leur dis rien. Mais je leur dis juste ça juste avant de faire la photo, donc ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, ils font rien. Et donc, du coup, on voit beaucoup plus loin en eux. C'est-à-dire que le masque tombe et du coup, on voit d'autres choses. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de tout le monde, on joue tous avec nos masques, hein, toute la journée, même si on n'en a plus conscience d'ailleurs, mais on est rarement complètement démasqué, tu vois. Et donc dans la photographie, je fais ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé que, c'est vrai que dans ta manière de diriger les acteurs, c'était vers ça que tu allais. Des trucs très minimalistes, mais même au moment de... Moi j'aime bien... J'aime bien faire des trous et que ce soit le spectateur qui remplisse le trou. Même t'as vu, hein, au niveau de l'écriture du scénar, j'enlève des choses, on écrit tout, et puis ensuite on enlève, et c'est le spectateur qui va remplir les choses. Mais en voyant la fin, je me suis... Ouais, pardon. J'aimerais bien vous communiquer ce que j'ai ressenti lorsqu'on voit ces personnages qui deviennent eux-mêmes, mais à travers leur habit et tout. Et tout. Ouais. Il y a quelque chose de très troublant. Parce qu'on a l'impression qu'on assiste, c'est ça qui est terrible, à une schizophrénie maîtrisée. Ouais. Alors là, ça fait presque peur. Hein? Et on se demande, est-ce qu'ils vont aller au-delà de cette convention qu'ils ont de la maîtrise, ou bien tout d'un coup, justement, comme sur la fin, ça dépasse. En fait, c'est le personnage de Vincent qui, lui, fait péter l'écran, quoi, je veux dire, le décor, boum, terminé. Et ça, c'est... Et je me demande si quand vous avez fait le film... Si vous aviez des fois eu recours à des ouvrages de schizophrénie ou à des discussions à l'endosos là, et si les gens qui sont là, le petit contingent qui passe, oui chef, tout ça, eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, c'est un peu compliqué parce que, bon, sur la schizophrénie, je connais un peu le sujet et je fais beaucoup de films quand même où on est dans l'univers, dans cet univers-là. J'en ai fait plusieurs en fait, dans des choses un peu ce qu'on appelle borderline. Hein, eux, c'est vraiment le mot qui vient à l'esprit constamment quand on est à l'extérieur, mais eux le prennent pas du tout comme ça, évidemment. Hein. Quand on a fait l'avant-première à Bruxelles, il y avait Soldats en armes qui étaient là. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de second degré. Hein. Donc, mais nous, on est constamment en train de... Il faut comprendre que, par exemple, on ne peut pas savoir ce qu'ils font dans la vie. Jamais. Et au bout de... Parce que j'ai travaillé plusieurs années hein, là-dessus. J'ai compris que les chefs, c'était toujours des avocats, des notaires, des trucs, des machins dans la vie. Et qu'on retrouvait un truc... La hiérarchie. Ouais, la hiérarchie, on la retrouvait. Mais donc eux-mêmes, ils n'ont pas du tout conscience de cette schizophrénie. Je mets un bémol, c'est que quand même, ils ont de l'humour. Et donc, de temps en temps, par une réflexion, on voit bien qu'ils se disent « on est un peu dingue hein. ». Mais en fait, le film est basé aussi sur des vrais accidents qui ont vraiment existé. Parce qu'en bataille, tout d'un coup, et à Boulogne, il y avait un Italien, un hussard italien qui a sabré quelqu'un.
Les Russes à Waterloo, mais on sait, faites gaffe aux Russes, parce qu'ils y vont, ils viennent de loin, et puis c'est... l'uniforme fait qu'on est... Ah mais tu te rappelles, hein, tu les voyais, ils étaient transformés par l'uniforme. C'était étrange. Très étrange. J'ai l'impression quand même d'être un peu... Ouais, chez les fous. Hein. Ouais. Ils allaient, en fait, d'habitude, bon, on garde la voie. On tournait dans une forêt, à Rambouillet, à 60 km de Paris, et en général, bon, on sort de la voiture, puis bon, on va sur le plateau, quoi, on va rejoindre le tournage. Là, ils se... Ils dormaient dans la tente, hein. Ils dormaient dans la tente. Ils n'allaient pas à l'hôtel, ils dormaient dans la tente. Jusqu'au plateau, quoi. Là, toi, t'as rien derrière, tu passes. Salut, les gars. Mais il y a une scène vraiment, c'est-à-dire la scène où tu les vois pour la première fois, parce qu'en tant que metteur en scène, c'est un truc avec lequel on joue, c'est-à-dire qu'on la scène où tu les vois pour la première fois, tu les avais encore jamais vus. Et t'es comme ça. Ouais. Ils arrivent de la brume, là. Tu te souviens, il y avait un mec qui était puni, à un moment donné. Ouais, un type qui était puni. Bon. Ouais, parce qu'en fait, ils se punissent entre eux. Et tu te souviens, je sais pas ce qu'il faisait, il était comme ça, moi, c'était ça. Donc il avait le fusil comme ça. Non, c'était ça. Ouais, c'est un figurant puni. Et il devait porter, moi, donc un soldat, quoi, puni. Et il devait rester comme ça, je crois que c'est ça. Et le plus longtemps possible comme ça. Mais pendant, je sais pas combien de temps, ça durait 45 minutes, quoi. Hein, tu te souviens? Et nous, on était là, on faisait... Non, le truc qui est bien, c'est que pour une équipe de tournage, pour les techniciens, ils voient qu'en face, ça triche pas, parce qu'en fait, ces gens-là, à force de tricher, ils trichent pas, en fait. Hein. Ils trichent pas avec leur jeu, leurs sentiments, leur... Et donc, l'équipe de tournage, c'est vrai qu'ils regardaient avec les yeux comme des soucoupes, mais en fait, même, ils étaient très... On était dedans, quoi. Tout le monde était dedans, hein. Tout le monde était dedans dans le film. Il y a comme une forme d'humilité qui ressemble. Ouais. C'est ça qu'on maintient le respect. Ouais. Il y a un truc... C'est vrai qu'il y a quelque chose... Ouais. C'est... Moi, j'ai fait beaucoup de films d'époque. C'était un peu mon fond de commerce pendant des années. mais c'est vrai que là, t'as un coup d'être avec des gens... dont c'est leur deuxième vie, quoi. C'était un peu étrange. Ouais. Pour les costumiers, c'était très intéressant. Par exemple, la fête à la fin, quand tu joues au concert, les costumiers m'ont dit on n'a jamais vu des robes comme ça. C'est des robes qui coûtent 15 000, 20 000 euros. C'est des gens qui viennent souvent de milieux modestes. Hein. Ils mettent vraiment toutes leurs économies là-dedans. Les femmes, parce qu'en fait, ils font vraiment des reconstitutions de repas comme ça. Et le repas... Bon, c'est vraiment le repas le plus cher que j'ai jamais fait, moi. Je ne ferai plus jamais, parce qu'en fait, c'est Potel et Chabot d'époque. Donc, c'était une sorte de folie de la production. C'est vraiment des recettes d'époque. Donc, c'est du foie gras d'époque. Or, vous savez qu'en cinéma, on garderait... Enfin, tout est pour le jeu. Donc, on garde 2-3 jours, on ne peut rien manger. Et donc, c'était un gâchis, mais c'était vraiment des... Et le truc, c'est que ça se voit à l'écran. Il est beau, hein. Le repas, il est beau, hein. Ouais, c'était authentique. Hein, c'est vraiment de la nourriture authentique. Et donc, ça existe toujours. Il y a toujours des reconstitueurs. C'est pas des jeux de rôle, comment on appelle ça? C'est un peu la même chose, mais les reconstitueurs, eux, c'est plus du reconstitueur. Ouais. Et donc, il y en a un peu partout dans le monde. Mais le film a été un échec en salle, hein. ça a été vraiment très dur. Ouais. Les gens qui le voyaient, ça a bien été en critique. Ouais. Les gens qui le voyaient étaient très contents, mais pour faire venir les gens en salle, ça a été dur. Hein. Ça a été dur. Il était à Cannes. C'est vrai que c'est difficile. On ne sait pas si c'est un film d'époque. Quand on n'a pas vu le film, on ne sait pas si c'est un film d'époque. On ne sait pas si c'est un film contemporain. Enfin, donc il y a une sorte de doute. La proposition n'est pas claire, c'est-à-dire dans la bande-annonce et tout ça. Et donc, du coup, à partir du moment où le spectateur a le moins de petits doutes, tout de suite, il passe à autre chose, parce qu'il a tellement d'offres, de propositions diverses et variées. Après la tournoise de Pâques, en fait, j'ai été beaucoup aux États-Unis, et à chaque fois, ils me demandaient quel était le projet suivant sur lequel je bossais, et donc j'expliquais que c'était ça. Et 9 fois sur 10, les gens disaient « Ah ouais, on a essayé, parce que comme il y a beaucoup aux États-Unis, on a un scénar, etc., on l'a jamais fait. »
En fait, il n'y en a jamais eu aux États-Unis, c'est pas pour rien. Maintenant, je sais que, je crois que ça vient du fait que c'est de la maladie quand même. Et que le spectateur, il sent qu'on rentre dans un univers de maladie. Et vraiment, les films comme ça, c'est très dur d'accepter le contrat, quoi. C'est comme ça qu'on explique des années après l'échec, qui a été douloureux à vivre. Hein. Et puis en fait, en revanche, c'est un film qui a finalement, dans la profession, qui a très bien tenu, qui moi m'a permis de faire d'autres films, qui... Moi, c'était mon dernier, en fait. Je plaisante. Super bien. Merci. Vraiment bien, bien, bien. Merci. Comme ça. Et puis je trouve que c'est un film comique. C'est un film comique. Ouais, c'est vrai, moi je ris, ouais, c'est vrai, c'est un humour décalé, comme ça. Décalé, ouais. Exactement. Et moi, je trouve quand même quelque chose d'important dans ce film, c'est quand même, pour moi, c'est le cœur du film, c'est la psychologie des personnages. Ouais. On arrive dans la vie de ces deux frères. Le rapport des deux frères. Et deux frères, il y en a un dont on découvre qu'il est beaucoup plus en crise finalement que l'autre, ouais, qui est ouais. vulnérable en principe. Le frère modèle, et en fait, celui qui a réussi. Le fragile n'est pas celui qu'on pense. Voilà, et en fait, tout le reste, ça, ouais. ce décor, ces reconstitutions, c'est le socle, enfin, ça devient le décor de la montée en puissance de... la prise de conscience de ce personnage. Ouais, je trouve que c'est finalement c'est l'aspect psychologique, notamment du pianiste, mais aussi de son rapport à son frère et au monde dans lequel il est, mais il est en pleine crise. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et l'idée qui est géniale, c'est d'avoir imaginé de développer ça dans ce cadre incroyable, ces reconstitutions. Et c'est vrai que... Alors, ça, Vincent, comme c'est dès qu'on le voit en costume d'époque, quand tu dis « waouh ». C'était presque le problème. Il a voulu tellement beau. Ah, non, mais vraiment, ça, ouais. D'ailleurs, tu le disais, ah, j'en ai marre du costume, je veux sortir du costume, et puis tu me remets là, le costume. Et là, dès qu'il l'enfile, on se dit « ouais ». Puis c'est des beaux costumes, hein, les costumes napoléoniens, c'est beau, hein. Waouh, c'est très beau, ouais. Denis, on peut en profiter, vu que tu es là, pour savoir un peu quelque chose sur tes projets futurs. Si c'est possible. Je finis un film allemand en allemand, alors complètement barré, avec vraiment un personnage de folle, vraiment là. Mais c'est un film de fiction. Ça, c'est un film de fiction, ouais. Mais que j'ai fait tout seul en fait, donc expérimental, mais qui devrait sortir au cinéma dans une petite. Où là, je m'amuse en fait. Mm-hmm. Et puis normalement, je devrais tourner en Corée avec Vincent, mais c'est reporté encore d'un ou deux mois. Et alors, quand ça sent pas bon, hein, quand c'est reporté d'un ou deux mois. Ouais, je sais pas. En fait, on doit faire des films en Asie. En fait, on est allé pas mal en Asie avec Vincent aussi. Vincent est très connu, notamment en Chine, mais vraiment très, très, très connu. Ce qui est un nouveau marché, donc c'est très qui est très connu par 1,3 milliard de personnes, c'est pas mal. Et donc, à chaque fois, on se dit, on va avoir un projet, et puis... Un jour, j'ai fait une émission, j'ai fait une interview en Chine, j'étais en Chine, et donc on fait l'interview, tout ça, et c'est un direct. Et puis, et après, il m'a dit, le gars, qu'en fait, c'est le nombre de gens qui allaient voir cette interview, c'était 900 millions de personnes. Il te l'a dit après. Alors, il ne t'a pas dit avant. Heureusement. J'aurais jamais pu placer un mot. Il m'a dit, en tout, au final, parce qu'il y a des, ça repasse, machin, tout ça, au final, ils touchent 900 millions de personnes. Mais dans toute l'Asie. Tu es très connu en Chine, grâce à quel film, surtout? Non, t'exagères un petit peu, je suis un peu connu. Ouais, mais t'es quand même connu. Il est très connu. Voilà. Mais je pense mais que le film... Le film, c'était Fanfan, avec c'est Sophie Fanfan. Marceau. D'accord. C'est pas l'étudiante aussi? J'ai pas fait d'étudiante. Ah non, c'est Fanfan. Non, c'est Fanfan. C'est Fanfan, d'accord. C'est avec Sophie Marceau. Sophie Marceau. Est un film cultissime en Chine. Non, il y a Fanfan et Fanfan la Tulipe. C'est pas Fanfan la Tulipe, c'est un autre Fanfan. Et après, Alexandre. Fanfan la Tulipe, où j'ai fait une tournée dans toute la Chine. D'accord. Qui a été aussi. Bah alors, il faut tourner en Chine, effectivement. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Non, parce qu'il y a la censure, c'est très compliqué de tourner en Chine. Et puis avec Vincent, tous les deux, on veut faire des projets. Des projets authentiques à nous, quoi. Ouais. On n'est pas. On est prêt au compromis, mais jusqu'à un certain moment. Ah, bon, en tout cas, vous savez que la prochaine fois, c'est le Capitole qui vous attend. Enfin,
Vincent est demain, mais il faudra avec le film chinois. Avec le film chinois. Avec le film chinois, absolument. On a quand même une belle communauté asiatique. Ah oui. Je crois que next time, Capitol. Et vous allez, qui va venir au Capitol demain? Attention, faut bien répondre. Pourquoi vous dites non? J'ai lu le livre, merci bien. Ça m'a traumatisé. Je l'ai changé. Je l'ai changé en comédie. C'est une comédie. C'est un beau film. Ouais. Non, mais vraiment, c'est drôle. Vous n'avez pas aimé le livre? J'ai trouvé le livre fascinant, mais traumatisant. Traumatisant. Affreux. Non. Alors, le film est moins affreux que le livre, parce que le livre, c'est affreux. Dans la prison et tout ça. Ah ben, c'est horrible. Non, ça, c'est pas dans le film. Mais tout est horrible. Moi, je mets en avant l'histoire d'amour. Non, mais à part ça, c'est vrai. C'est surtout, le film est porté par les deux acteurs, qui sont quand même deux acteurs assez incroyables, donc je vous le conseille. Ah oui. Hein. Ah ouais. C'est même obligatoire. Bon, je pense que là, il faut laisser... C'est quelle heure? C'est la place, il faut y aller. Hein. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Ah, oui, parce que c'est... On enchaîne, là. Merci d'être venu, de rester pour la suite. Ou alors, on vous revoit, j'espère, demain.